Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dans nos vies, bien des choses nous occupent et même nous préoccupent, et le temps nous glisse inexorablement entre les doigts. Bien souvent, nous sommes en quête de bien-être et de sécurité pour nous-mêmes, mais surtout pour nos proches. Et nous sommes tellement pris dans nos efforts et tellement soumis à nos tourments qu'on est rarement satisfait de là où nous sommes et comment nous sommes. Bien souvent, nous sommes en quête d'un sens à notre vie, peut-être même sans en avoir conscience, et tellement courbés sous le poids du quotidien que nous ne remarquons même pas celui dont nous sommes la quête, celui dont nous sommes le sens à la vie, à sa vie. Celui qui vient à notre recherche pour nous ramener à la maison et nous rendre à la vie. Alors ce matin, suspendons notre recherche, notre propre recherche, et laissons-nous être trouvés. Tendons l'oreille, levons les yeux, ouvrons nos cœurs à celui qui nous dit « Vous qui étiez perdus, vous voici retrouvés. N'ayez plus peur, vous êtes là et je suis là. » Poursuivons dans la louange avec le premier chant, les trois strophes « Jesus nimmt die Sünde an ». Etc. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ce qu'il a fait. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant
Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme le Père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, Ehre Seinem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu, pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, cherchez ce qui est perdu, telle est ta quête passionnée depuis la création du monde. Et alors que notre insouciance nous fait perdre ce qui caractérise notre humanité créée à ton image, nous finissons par nous perdre. Corps et âme, dans une existence hostile à tout autre que nous, dans une existence séparée de toi. Pourtant, sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes des hommes et des femmes au mauvais endroit, à la mauvaise place. Nos actions sont vaines, sans espérance de retour, ni désir de renouvellement. Oui, sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. C'est ce que nos âmes découvrent à ta lumière. C'est ce qui les fait crier avec l'énergie du désespoir. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Jean, qui dit ceci. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Sans Dieu, nous étions perdus. Mais le voici qui nous cherche encore et toujours à nouveau. Sans Dieu, nos faiblesses et nos peurs prenaient le dessus. Mais le voici qui nous trouve, encore et toujours à nouveau. Sans Dieu, nos blessures et nos souffrances étaient trop lourdes à porter. Mais le voici qui nous sauve et qui nous libère de tout ce qui voulait nous entraîner loin de lui. Nous ne sommes plus sans Dieu, car il nous cherche, il nous trouve et il nous sauve. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, écouter ta parole, c'est être à l'affût du cœur de celui qui nous aime. Écouter ta parole, c'est être un veilleur, attendant que surgisse aux jointures de son âme ce qu'on ne peut saisir ni raconter. Écouter ta parole, c'est entendre toi, en laissant résonner en nous ce qui toujours nous échappe et qui nous a pourtant rejoints dans notre humanité, Jésus le Christ. Seigneur, à l'écoute de ta parole, nous t'en prions. Inonde nos cœurs de ton esprit,
et qu'il nous ouvre à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, quelques extraits du début du chapitre. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie, dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallée. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix et n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Et comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera les agneaux, et il les portera tout contre lui. Et il conduira les brebis qui allaitent. Nous prenons le chant suivant. Mon Dieu, mon Père, les quatre strophes. Mon Dieu, mon Père.
le mot d'ordre de ce dimanche et pour la semaine qui commence, tiré de l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset 10, qui dit ceci. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons l'évangile en chantant Alléluia. S'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes, eux, maugréaient. Il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Quel homme parmi vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Lob sei dir, ô Christ. Vous pouvez reprendre place. Voici la question du jour, une seule. Voilà. Comment vous sentez-vous? Alors c'est formidable, je ne m'attendais pas à ça. Parce que je vous le demande sincèrement, ce n'est pas juste la question conventionnelle qu'on pose. Ça va? Salut, ça va? Avec la réponse convenue qu'on attend, hein, oui, ça va. C'est pas juste une autre façon de dire bonjour, voilà, ou comme j'ai entendu tout à l'heure, un petit peu, je sais pas si exactement ça que vous disiez, geht's, wie geht's. Enfin, on s'attend à, oh, c'est ouais. C'est pas ça, c'est sincère. Et donc j'attends aussi une réponse sincère, et j'ai vu les deux réactions, elles étaient sincères. Pourtant, ça j'avais prévu de le dire un peu plus tard, sur vos visages, ça ne se voit pas. Non. Il faut déjà regarder sous le sourire pour voir que, bah ouais, si on est honnête, sincère, sérieux, à cette question-là, on ne répond pas. Ah, super. Donc, comment est votre morale, votre énergie, votre élan, votre espérance? Et cette question ne surgit pas de nulle part, il y a des raisons qui me poussent à vous poser cette question. Déjà, première raison, parce qu'on ne rajeunit pas. Vous êtes d'accord, hein? Ouais. Ce n'est, je ne le dis pas comme un euphémisme pour ne pas dire l'autre chose, hein, on vieillit. Non, on ne rajeunit pas. Et souvent, dans cette assemblée, mais dans les autres clochers pareils, hein, je suis le plus jeune. Vous avez déjà remarqué? Oui. Ça fait 10 ans que je suis le plus jeune dans cette. Ça veut dire aussi que je suis de moins en moins jeune. Vous avez raison, je ne suis pas encore vieux. C'est vrai. Mais je ne suis plus aussi jeune que ça. La preuve,
j'ai déjà la nostalgie d'avant, comme quand tous les jeunes, je pouvais me lever assez tôt le matin, vers 13h, comme ça, et être immédiatement au taquet pour le repas. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Ou alors si il y avait un pote qui venait pour jouer au foot, à peine debout, le short, paf, dehors. Ça, c'était avant. Maintenant, si je veux être chaud, toutes les articulations en mouvement vers 13h, il faut que je me lève à 7h. Et que j'y aille doucement, une après l'autre. Voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Le démarrage, au fil du temps, est de plus en plus délicat. C'est vrai. Et ça, c'est pesant. Vraiment pesant. Ça me pèse déjà à moi. Forcément, ça vous pèse aussi à vous. Ça pèse à certains plus qu'à d'autres. C'est normal. Mais tous ici, nous sommes, ce qu'on dit dans la Bible, hein, fatigués et chargés. Et le truc en plus, c'est que nous le sommes plus qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, nous étions déjà fatigués et chargés. Aujourd'hui, 10 ans après, on l'est encore plus. C'est sûr. Si vous dites le contraire, je ne vous crois pas. Physiquement, c'est déjà dur, c'est rude, physiquement. Mais pire, moralement, ça l'est encore plus. C'est surtout moralement qu'on en a plein le dos. Tous, chacun, parce que personne n'y échappe. On est tous solidaires sur ce point. Ça, c'est bien. Personne n'est seul face à ça. Et c'est comme ça, tout simplement parce que la vie est dure. Elle l'est à tous les niveaux professionnels. Peut-être, je regarde, ceux qui sont encore actifs, peut-être avez-vous trop de travail. Ça arrive beaucoup en ce moment qu'il y a trop de travail pour les gens qui bossent. C'est vrai. Il y a du travail pour 10, on n'est que 5. Il faut le faire quand même. Et on n'arrive plus à suivre au bout d'un moment. Pourtant, on le fait. Ou alors, peut-être, vous n'avez pas assez de travail. Il y a quelques chômeurs, je ne vais pas dire tous, mais quelques chômeurs qui aimeraient bien être un peu plus actifs. Peut-être avez-vous un chef tyrannique. Ça, c'est horrible. Même si vous aimez votre boulot, c'est dur. Ou alors, c'est vous le patron insupportable. Et ce qui vous pèse, c'est de devoir compter chaque centime pour ne pas couler. C'est horrible. Pire que tout, dans tous les boulots, peut-être avez-vous des collègues infects, de véritables plaies, des sorcières, des monstres, des démons. Alors là, peu importe le métier, c'est l'enfer. Ou alors, peut-être n'êtes-vous plus dans la vie active et êtes-vous retraité. C'est possible. Et après une carrière bien remplie de dévouement, vous avez enfin le temps de profiter de la vie, enfin. Mais peut-être que ce qu'on vous donne pour vous remercier, le montant de votre retraite, une fois que vous avez tout payé, le loyer, l'électricité, blablabla, aussi un peu à manger, et bien après vous ne partez pas toutes les semaines à Ibiza, ou en Australie, ou même pas en Forêt-Noire, ou même pas au restaurant dans le village, parce qu'il n'y a pas assez. Ou alors peut-être que vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir profiter de la vie, mais vous n'avez plus la santé. Alors le compte en banque se porte bien, mais on ne peut rien en faire parce qu'on ne peut plus. Ou alors, vous êtes encore plus occupé que quand vous étiez actif. Je connais plein de retraités, avant, pas besoin d'agenda. À partir de la retraite, 3 agendas. Un pour la famille, un pour les activités à gauche et un pour les activités à droite. Impossible de les voir, ils sont tout le temps partis. Peut-être que vous êtes trop actif aussi parce que vous n'arrivez pas, c'est en vous, c'est génétique quasiment, juste une fois vous asseoir. Juste un peu. Peut-être que vous n'arrivez pas parce que vous êtes formé pour courir du matin au soir comme si vous aviez encore 20 ans. J'en connais plein. J'en connais plein. Professionnellement, dans un cas comme dans l'autre, hein, la vie est dure. Elle est aussi due au niveau familial. Il y a plein de raisons pourquoi la vie est dure. Au niveau familial, j'ai retenu pour moi la pire.
Plus on avance en âge, plus on est soumis à la perte de nos proches. Pendant les premières 20 années de ma vie, je crois que j'étais à un seul enterrement. Pendant 20 ans, un seul. Et quand je réfléchissais, des gens que je connaissais vraiment et qui étaient décédés, une dizaine. Celui-là, je connaissais vraiment, et c'est vrai que pendant ces 20 ans, il est mort. Puis les autres, ils sont morts, mais je ne les connaissais pas. Ouais. Et pendant les 20 ans qui ont suivi, j'ai été au moins à un enterrement par an. Et donc, du coup, je connaissais plein de gens qui étaient déjà décédés à 40 ans. Passé un certain âge, les enterrements, mais on a l'impression qu'on ne fait plus que ça. Je suis sûr que vous avez déjà connu ça, dans la même semaine, trois. Vous êtes obligé d'aller à trois enterrements différents. Et rester, ceux qui restent, quand tous les autres partent, et ça c'est terriblement douloureux, c'est horrible. La vie est dure aussi humainement. Quand on regarde l'état du monde dans lequel on vit, comment ne pas souffrir par rapport à ce qui se passe au loin? On peut penser évidemment à l'Ukraine, à tous les autres pays en guerre, à la sécheresse un peu partout, mais même chez nous. Même devant notre porte, comment ne pas angoisser pour nos enfants et les enfants de nos enfants? Le monde dans lequel on les a posés et qu'on va leur laisser, comment ne pas presque paniquer à cette idée? En plus, quand on voit que le progrès, magnifique progrès qu'on nous vend, au final, ne change pas ou n'améliore pas en profondeur la qualité de vie, on est censé vivre mieux qu'il y a 100 ans. Parfois, on se demande. La vie est dure aussi au niveau ecclésial, au niveau de l'Église, quand notre Église prend de nombreuses directions censées faire du bien dans plein de domaines différents, par exemple, la justice pour ça, la justice pour ça et la justice pour ça. Et qu'en faisant ça, des choses très bien, on met un petit peu de côté la bonne nouvelle, l'Évangile. On le met un peu de côté. Ou alors, de temps en temps, ça arrive aussi, on le met complètement de côté. Ça, c'est terrible. La vie est dure à bien d'autres niveaux encore, et vous avez tous votre lot de difficultés qui vous pèsent, et face auxquelles, je vous connais, vous luttez. Et vous luttez courageusement, ce n'est pas non plus un mot pris au hasard ni à la légère. Vous luttez courageusement avec sagesse, ça vient aussi avec le temps, et abnégation, ça c'est plus génétique qu'on va dire. Alors même que ces difficultés s'accumulent et que votre énergie diminue. Vous luttez aussi parce que ce qui vous aide à faire face, tant bien que mal, c'est la foi. J'ai vrai? J'ai juste? C'est bon? Je suis sûr, c'est vrai. Votre foi vous aide à lutter, à tenir bon, à aller de l'avant. Votre foi, pourquoi je dis votre foi? Parce que ce n'est pas encore celle que je souhaiterais que vous ayez. Ce n'est pas celle que je veux pour vous, mais c'est déjà pas mal. Franchement. Si vous aviez déjà la foi que je veux pour vous, je ne vous servirais plus à rien. Il faudrait mieux que je m'en aille. Heureusement pour moi, je sens qu'il y a encore des choses que je peux vous apporter, mais vous êtes sur la bonne voie. J'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Vous êtes disciple du Christ. Point fondamental. Jésus le Christ est votre Dieu. Vous lui faites confiance autant que possible et vous ne faites confiance qu'à lui. Vous savez qu'il vous aime. Même si tout devait vous prouver le contraire, vous savez qu'il prend soin de vous. Même si tout devait vous prouver le contraire, vous savez qu'il vous sauve. Même si tout dans le monde devait vous prouver le contraire. Cette bonne raison pour laquelle je peux dire vous êtes sur la bonne voie. À vos souhaits. Et tout ça, tout ce qu'on vient de dire là, c'est la bonne nouvelle des textes du jour, les deux lectures qu'on a entendues. Sans Dieu, nous sommes perdus. On peut être aussi bon, généreux, valeureux, volontaire, courageux qu'on veut, sans Dieu, on est perdu. Mais lui,
on l'a entendu, ne nous laisse pas nous perdre définitivement. Quelle bonne nouvelle! Il ne nous laisse pas demeurer dans la vallée de l'ombre de la mort, psaume 23, vous connaissez, même s'il ne nous lévite pas, il ne nous aide pas d'y passer. Car oui, nos vies passent forcément par cette sombre vallée, forcément, et bien trop souvent à notre goût. Et j'en profite pour faire un style d'excursus. C'est pour cette raison précise que je n'aime pas et que je ne fais pas, que je ne dis pas, la nouvelle formulation du Notre Père. Normalement, vous la dites tous. Vous voyez, ne nous laisse pas entrer en tentation. Enfin, je ne l'aime pas et je ne la fais pas. Les tentations, ce sont les épreuves et les difficultés de la vie, qui font partie de toute vie. Toutes les vies connaissent ces mêmes épreuves et ces mêmes difficultés, toutes. Et ce sont aussi ces épreuves et ces difficultés que Dieu utilise pour nous former, pour nous façonner, pour nous faire grandir. Alors, lui demander de nous les épargner, il y en a une qui s'approche, passons au large. Pour moi, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que je pourrais prier en même temps que ta volonté soit faite au début de Notre Père, et juste 30 secondes plus loin ou 15 secondes plus loin, ne nous laisse pas entrer en tentation, dans l'épreuve. Pour moi, ça ne marche pas. Dans mon cerveau, ça ne marche pas. Me donner la nourriture physique et spirituelle dont j'ai besoin au quotidien, les prés, l'herbe fraîche, l'eau rafraîchissante, etc., tout ça dans le psaume 23, oui, ça, c'est bien la volonté de Dieu. Toute la Bible le dit. Je peux donc prier, donne-nous notre pain de ce jour. Ça marche. C'est en adéquation. Me protéger contre mes adversaires, c'est bien la volonté de Dieu. Dans toute la Bible, il le dit. Je peux donc prier, délivre-nous du mal. Prendre soin de moi, restaurer mon âme, me rendre vivant éternellement, c'est bien la volonté de Dieu. Je peux donc prier notre Père, rien que ça, et puis tout le reste. Mais m'épargner toute difficulté, ce n'est pas sa volonté. Et l'expérience que nous avons de la vie le prouve. Sinon, il le ferait. Je ne peux donc pas prier, ne nous laisse pas entrer en tentation. Parce que ça ne sert à rien de demander à Dieu ce que l'on sait très bien, ce que l'on sait très bien qu'il ne fera pas. Par exemple, à aucun d'entre nous ne viendrait à l'idée de demander à Dieu de ne pas mourir physiquement. On ne lui demanderait jamais « Laisse-moi vivre physiquement pendant 1000 ans !» Jamais ça ne viendrait à l'idée. Parce qu'on sait, et on l'a entendu dans la première lecture, nous sommes, l'être humain, et comme l'herbe, destiné à passer physiquement. Un jour on est là, demain on n'est plus là. Famille coupée. Tout être humain est destiné à mourir physiquement. Alors ça ne sert à rien de lui demander « Laisse-moi vivre pendant 1000 ans », il ne le fera pas. Alors, pourquoi lui demander de nous épargner l'épreuve quand on est convaincu qu'il en est le maître et que de toute façon, on l'aura quand même. Et que s'il nous l'impose, il la rend aussi bénéfique à notre âme, même si elle est très douloureuse. Et c'est d'autant plus important de ne pas nier cette réalité, ni de la rejeter, car c'est plus que jamais là, dans ces moments-là de difficultés, d'épreuves, de tentations, que les bras de notre divin berger se tendent pour nous serrer tout contre son cœur. Car quand nous sommes perdus au milieu du désert, c'est une certitude, Dieu nous cherche et il nous trouve. Si nous faisons partie des 99 autres qui sont déjà à la maison, il ne nous cherche pas, il sait où nous sommes. Quand nous sommes au fond du gouffre, c'est sa main qui nous saisit et qui nous ramène à l'air libre. Quand les montagnes se dressent devant nous pour nous ôter tout espoir de pouvoir aller plus loin, il remplit nos cœurs d'espérance. Derrière, il y a la prairie. Quand nous sommes au bout du rouleau, il nous rassemble à lui et nous tient tendrement lovés dans ses bras. Et ses bras, c'est le meilleur endroit qui soit. Ne cherchez pas un meilleur endroit.
L'air cardinal, c'est très bien, apaisant, avec la météo, c'est très agréable. Le meilleur endroit, encore un meilleur endroit qu'air cardinal, les bras de Dieu. Alors, dites-moi comment vous sentez-vous maintenant? Un peu mieux? Pardon? Bien. Bien. C'est déjà mieux que ça. Faut faire confiance. Oui. C'est le maître mot qui fait couler tout le reste. Avec la confiance, on entre dans l'amour. Avec la confiance, on entre dans le courage. Avec la confiance, on entre dans l'admiration. Avec la confiance, etc. Même si tout nous poussait à ne pas faire confiance. Même si on nous prouvait, noir sur blanc, mathématiquement, que Dieu n'existe pas, faisons-lui confiance, il existe. Et en plus, Dieu sait. Il sait. Il sait même mieux. Moi, je vous l'ai dit, sur vos visages, ça ne se voit pas, mais je sais. Dedans, comment c'est. Dieu, lui, sait 100 fois, 1000 fois, 10 millions de fois mieux ce qui se passe dedans. Il sait tout ce qui vous tourmente, il sait ce qui vous blesse. Il sait ce qui vous pèse et tente de vous éloigner de lui. Il sait tout ça et il agit. Il vous ouvre les bras et il vous attire à lui. Alors, laissez-vous saisir. Laissez-vous aimer. Car dans ses bras, c'est vraiment le meilleur endroit qui soit. Amen. Thank you.
Seigneur, bénis nos mains, afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Seigneur, bénis nos yeux, afin qu'ils voient le nécessaire sans oublier les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Seigneur, bénis nos oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à la souffrance, fermées au bruit et aux médisances, mais ouvertes aux paroles qui guérissent. Seigneur, bénis nos bouches, afin qu'elles confessent ton nom, qu'elles expriment des paroles qui construisent et consolent, plutôt que des mots qui blessent ou détruisent. Retiens nos lèvres, qu'elles sachent faire silence. Seigneur, bénis nos cœurs, afin qu'ils soient la demeure de ton Esprit Saint, qu'ils soient capables de pardonner, de partager les joies et les peines, d'accueillir et de donner l'amour. Parce que tu nous écoutes comme un Père, nous unissons nos cœurs et nos voix pour te dire la prière que Jésus, notre bon berger, nous a lui-même enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous entraîne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au ciel des siècles. Thank you.
allons dans cette journée et dans nos vies encouragés et affermis par notre Dieu, qui nous l'avons entendu, et ce divin berger, qui lorsqu'une seule de ses brebis se perd, s'en va dans le désert et la cherche jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Alors il la met sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il appelle voisins et amis, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Oui, réjouissons-nous, car il nous retrouve, et dans sa grâce, il nous bénit. Que Dieu notre Père et notre Berger, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.